On est parti pour 20 secondes de squat. Vous poussez bien les fesses vers l'arrière. Assez rapide sur l'exécution de vos mouvements, sans descendre forcément très bas. Ça a juste pour objectif d'échauffer les cuisses. Allez, 20 secondes comme ça, sans s'arrêter. De manière à bien échauffer. Ok, on passe à 20 secondes. Grand cercle avec les bras. Toujours en faisant un squat, vous écartez un petit peu plus les jambes. Essayez de bien tendre vos bras à chaque fois. 20 secondes à nouveau. Ok, on trottine 20 secondes. De manière à commencer à faire monter un petit peu le cœur. Vous pouvez monter les talons vers les fesses. Allez, encore un peu. Ok, 20 secondes, on écarte. Si vous voulez avoir moins d'impact, vous y allez plus doucement. Si ça va, 20 secondes aussi. Ok, vous recommencez ça une deuxième fois et après on passe aux exercices. On est parti pour 20 secondes d'exercice, 10 secondes de récup. Premier exo, les abdos. Pieds levés. Je lance mon petit chrono pour les 20 secondes. Allez, que des petits en haut si ça va. Les coudes écartés, vous rentrez le ventre. Si vous sentez votre dos, vous gardez les pieds au sol et vous faites des petits. Attention à ne pas tirer sur la tête. Vous gardez le menton éloigné de la poitrine. Donc soit pieds levés si ça va, soit pieds au sol si besoin. Ok, on est aux 20 secondes, on relâche. Vous passez debout, 10 secondes de récup. Ok. Hop, et là, vous montez les genoux pendant 20 secondes aussi, sans vous arrêter. Vous tapez dans vos mains à chaque fois. Si jamais vous voulez avoir un peu moins d'impact, vous procédez comme ça. Ok, récup. On passe au deuxième exercice. Alors, vous allez vous mettre en position de gainage. Vous allez bien serrer le ventre. Vous allez lever un pied, le genou ne touche pas le sol. Et on fait un petit mouvement pendulaire avec la jambe. Si jamais c'est trop dur, vous restez en gainage. Faites attention d'avoir le haut du dos plat, pas arrondi. Et on reste comme ça 20 secondes. Ok, vous relâchez. 10 secondes de récup. On est parti. Touche le sol, saute. Touche, saute. Allez, t'arrêtes pas. Si tu veux avoir moins d'impact, tu sautes pas. Prends le mouvement qui te convient le mieux. Relâche. On se remet dans la même position que tout à l'heure. Mais on va faire de l'autre côté, l'autre jambe. Allez. C'est parti. Petit mouvement pendulaire. Vous serrez bien vos abdos. Vous devez avoir bien le ventre contracté. Encore un peu. 5 secondes. Et hop, on relâche. Vous passez debout, pieds serrés, position de squat, les épaules dégagées. C'est parti, comme au ski, un petit saut droite-gauche. Allez, imaginez le planter du bâton là. Hop. On ne s'arrête pas, 20 secondes. Alors c'est pareil, si tu ne veux pas sauter, tu ne sautes pas, au choix. Ok. Dernier exo, tu repasses au sol, jambes tendues vers le plafond, on y va, monte, descends tes jambes, monte, descends, serre tes abdos, quand tu montes vers le plafond, t'essaies de ne pas prendre trop d'élan, travaille avec tes abdos, si ça tire au niveau du dos,
Tu plies tes jambes et tu pousses. Ok, si ça va, tu gardes les jambes tendues. Je sais pas où vient celui du chrono, ouais. Ok, c'est bon, dernier exo. Tu repasses debout. On va faire un petit mouvement de patineur en touchant le sol. Parti. Touche. Hop. Hop. Allez. Fais un grand saut. Espace. Voilà. Encore. Et on relâche. Voilà le circuit. Là, on a fait 20 secondes d'exo, 10 secondes de récup. Deuxième tour, vous faites 30 secondes d'exo, 10 secondes de récup. Troisième tour, vous faites 40 secondes d'exo, 15 secondes de récup, si ça va bien. Quatrième tour, 1 minute d'exo, 15 secondes de récup. Bon courage. Alors pour les étirements, vous allez passer sur votre tapis, vous allez vous asseoir sur les talons, allongez votre dos, allez chercher loin devant avec les doigts, allongez bien le dos, sentez votre colonne là qui s'étire. Ok, vous restez comme ça quelques secondes, parfait, passez debout, enfin un genou plutôt, tendez la jambe, penchez le buste vers l'avant, attrapez le pied. Vous pouvez sentir que ça tire un petit peu sur l'arrière de la cuisse. Vous restez quelques secondes comme ça. Vous changez de côté. Essayez de rapprocher le buste de la cuisse. Parfait. Vous passez debout. Vous tirez vos bras au plafond. On enroule la tête, les épaules. On descend tout doucement. Descendez bien, vous relâchez complètement. Vous fléchissez les jambes, vous déroulez votre dos tout doucement. Tirez une dernière fois au plafond, vous allez chercher sur le côté. L'autre côté. Et on relâche. Et voilà pour la séance.